en direction l'Auvergne, avec une autre image qui symbolise l'unité au sein de la majorité. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing participent en ce moment à Clermont-Ferrand à un nouveau meeting. Jacques Chirac a évoqué la façon d'agir de son gouvernement, tant au niveau de la Nouvelle-Calédonie qu'à la façon de libérer les otages français au Liban. Reportage Jean-Louis Le Sen, Laurent Boussier. Nous avons ramené nos otages du Liban. Nous l'avons fait dans des conditions, chacun doit le savoir, qui sont conformes, cela va de soi, à l'honneur et la dignité de notre pays, c'est-à-dire sans l'ombre d'une compromission, sans l'ombre d'une tractation avec quelque groupe terroriste que ce soit, sans aucune contrepartie donnée aux autorités gouvernementales grâce auxquelles nous avons pu obtenir satisfaction. C'est simplement en faisant valoir à quel point il était peu conforme à l'honneur d'une nation de se rendre complice d'actes de barbarie que nous avons eu satisfaction. C'est dans cet esprit, et je suis heureux de le dire en face d'André Giraud, notre ministre de la Défense, que nous avons agi en Nouvelle-Calédonie lorsqu'il est apparu clairement que le dialogue ou la négociation ne conduisait à rien si ce n'est à mettre en danger nos otages. Et c'est la raison pourquoi j'ai pris la responsabilité d'une action militaire qui a été réussie. Et je voudrais rendre hommage à notre armée et à notre gendarmerie qui a agi avec compétence, avec intelligence et avec dévouement.